J'y trouverai peut-être un responsable à mes décisions. Un peu de patience, tous. Nous allons allonger ça en arrière-temps. Gardez votre calme. Hein? Voilà. Bien bon, mais... Tu reprendras bientôt ta route. Tu as le talent d'un berger, quoi. Le travail y ressort. Est-ce que je peux être utile? Qui dirige ce bourg? Si cela est possible, j'aimerais lui parler. Le gouverneur Trigre. Un Danois bon et juste ici depuis 4 ans. Trigre. Le plus clair de la journée, on trouve à la vieille villa. À s'occuper de diverses cuponneries. À cause de la récolte estivale, seul Alors, pourquoi ça traîne? Nous discutions là. Allons, les paysans de Mercy ont déjà payé leur dû. Si à cause d'un avantage, qu'ils déposent une requête. Eh bien, tu peux dire à ce marchand de crottin. Qu'est-ce qu'il veut, ça, Bob? Qu'il vienne la chercher. C'est la propriété de Maître Aram. Viens chercher. C'est répugnant. Par le ciel, tu te bats comme si le diable allait voler ton pain. Tu t'y entends aussi pour cogner. Roi, sois un bon petit élève, relève le nom de ceux qui paient l'impôt sur les vivres. Très bien. Tu as des affaires en cours avec le gouverneur Trigre, c'est ça? Je viens voir quiconque a envie de tisser des liens avec le clan, celui du grand corbeau. Et si c'est toi, c'est encore mieux. Ah non. Trigre. Moi, je suis le magistrat de la moitié ouest de l'air. Je m'occupe de maintenir. Comment peut-on être magistrat de la moitié de quelque chose? C'est comme ça, et puis c'est tout. Je m'appelle Stowe. Stowe de Lunden. Ravi de te connaître, Stowe le magistrat. Lunden repose sur de solides épaules. Merci. Mais je ne suis pas le seul magistrat. Nous sommes deux, en plus du gouverneur. Nous faisons de notre mieux. Compte tenu des circonstances. Allons voir ton gouverneur, Stowe. Il a l'air d'un homme qui gagne à être connu. Entendu. Le poste est tenu, le troupeau gardé. En route pour le brigand. Marteau danois. Je suis Eivor, du clan. Tu es un allié de choix. Alors voici Lunden. Une ville bâtie des géants. À ce compte, c'est une vieille cité hargneuse à souhait.
Mais elle a un côté mystique plus jamais. Si dit, j'ai grandi. J'ai appris les écrits des apôtres du Christ à Lundenden, le bourg saxon au-delà de la démis. Et pas prêt, n'est-ce pas? Non, mais j'ai été élevé. Et pour un bâtard à sa fortune, je m'en sors. Un bâtard sans fortune devenu un magistrat téméraire de Lundenden. Ma foi, c'est triste. Il y a vu quelque chose en moi. Il se moque complètement de ma décision. Ses deux bras, gauche et droit, sont un soldat d'Adam et moi. Erke a fait partie de la dernière horde de vikings à s'installer à Lundenden. Là, on monte maintenant à deux ou trois. C'est par Trig que j'ai connu Erke. Et maintenant, en tant que magistrat, nous parcourons la ville des pères payant sur leur fond. Un homme du cru et un d'arbre. Comme tu vois, Lundenden... Attends. Quelque chose ne va pas. Un combat. Et ce sang est frais. Passez ces hommes. Que s'est-il passé? Non. Il a fallu trois flèches pour tuer. Les deux autres sont des insultes. Oh, Seigneur, conduis ces hommes là où la lumière est à face des visitras et les saisis. Nous n'avons pas besoin d'étrangers, Stone. C'est une affaire privée. Nulle raison de se méfier. Eivor m'a prêté main forte lors d'un combat à la Crypt-Gate. Les gredins de la garnison. Tu dois être un tueur, tenir tête à tel morceau. Il est temps de les soumettre, Stone. Cela ne peut plus continuer comme ça. Une attaque bien menée. Faisiez-vous aussi partie des cibles? Ça, c'est une très bonne question, n'est-ce pas? Tu dois être Erke, le second magistrat de Lundenden. Erke Bodison. Oui, c'est moi. Tu dis que ce chien galeux m'a traité de second magistrat. Premier du bourg de l'Est. Un homme à qui je confierais ma vie. Stone n'a jamais été doué pour juger les gens. Erke, voici. Il était venu rencontrer Trigri afin de nouer des liens d'amitié avec lui. Et il t'aurait accueilli de bon cœur. C'était un homme fiant. Regarde. Tu as trouvé quelque chose? Je viens d'arriver. Mais les tueurs ont laissé une lettre sur le cadavre. Je vais jeter un coup d'œil. Trigri était constamment entouré. Comment les tueurs ont-ils pu passer? Parce qu'ils les connaissaient, sans doute. Assez pour approcher sans attirer de soupçons. Seigneur Trigri, cela pourrait être n'importe qui. Il dirigeait cette ville. Cette lettre. Quelqu'un tenait à venir la voix. De Rome est venu un ordre d'hérétiques vénérant le lit d'un âge antérieur au Christ. Erke, c'est la lettre dont il nous a parlé. Il disait qu'elle contenait des nouvelles effroyables à propos de Lunden. Elle mentionne trois de ces païens qui se sont faufilés dans Lunden. C'est meurtrier, j'imagine. De plusieurs. Dans le bureau du roi de Trigre. Bien sûr. Le vieux laissait vagabonder ses yeux et ses mains. Quelle intimité. Je n'aurais pas imaginé. Il ne voulait pas que je le sache. C'était son secret. Voilà tout. Tu veux quelque chose? Dehors de la sans repeindre les briques de cette ville. Non. Thank you.
Trois jeux de repas. Deux moyens. Et un très très grand. Des outils de barbier, tranchants et précis pour faciliter le travail. Sûrement ce qui a servi à détacher la tête de Trigg. Rien du tout à cette histoire. Ça me dépasse. Regarde-nous, assis au laurier, pendant que Eivor travaille. Passa sa mort. Un instant, il a quelque chose dans la main. Ce n'est pas le sceau de Trigg. Non, il a plutôt l'air romain. Il devait se trouver sur la lettre qu'il a ouverte. Il a dû paraître important à ce garde pour qu'il le tienne jusque dans la mort. C'est peut-être pour ça que ça a tué. Je crois que j'ai une idée assez claire de ce qui s'est passé ici. Trigg a été tué sur son siège. Probablement qu'il lisait cette lettre. Un de ses gardes s'est emparé du sceau et a tenté de s'enfuir. Il n'a pas réussi. Un autre tueur meurt avant. Il est mort au bout du corps. Soulevé par le plus imposant. Un troisième a pris ses yeux avant de couper la tête de Trigg. Symbolique peut-être. Un chef sans tête, des gardes sans yeux. Tueurs ont frappé sans peur. Ces meurtres sont un message. Leurs empreintes. Ils sont repartis ensemble à trois, direction de la cour. La lettre parle de trois hérétiques, mais ne mentionne que leur surnom. La sangsue, la flèche, le compas. Son auteur se présente comme un pauvre simple soldat. Rôle de trois meurtres. Comme tu le disais. Bourse de Baldur. Ça peut être n'importe qui à London. À qui faire confiance? Seulement à ceux qui sont ici, j'en ai peur. Un risque. Il faut en savoir davantage. La flèche est décrite comme un bélier envahisseur d'Arwa. Il y en a beaucoup à London. La sangsue vient du Wessex.
Ce n'est pas ce qui manque à Lundon non plus. Et enfin le compas, un capitaine franc. C'est moins courant, mais ça ne me dit rien. Quel est ce symbole là? Je le connais. Il vient du temple Mitraïque. Je suis passé devant en venant ici. Ce temple mitraïque, c'est une église, Lise? Une église, par Dieu. Non. Mitra est une invention païenne, un prétendu Dieu adoré par les soldats qui ont bâti cette ville. Cette ville n'est qu'un ramassis de lâches. Si nous ne venons pas à bout de ce complot haineux, nous serons peut-être recherchés. Je te l'ai dit, cette ville ne connaît que le sang et le pouvoir. Il faut en tenir compte. Je ne peux le laisser comme ça. Il faut que je... On va demander à l'église de s'en charger. Non. Non, c'est à moi de faire. Je dois le préparer par son jugement. Je comprends. Mais sors prendre l'air de temps en temps. Ça pue ici. Si. On y va, mon gars. La puanteur de cette affaire est arrivée jusqu'aux habitants. Je te laisse aller voir ce temple, Ivor. Il est à l'est d'ici. Pour l'instant, je dois jouer mon rôle de magistrat. Allez-vous-en, reculez. Les combats sont terminés. La garde sera bientôt là. Si les magistrats changent d'avis, je devrais les tuer et placer un serpent sur le trône de Lundon. Mais Stoppa ou Parente, pour l'instant, j'en fais confiance. De ruines, ce temple de Mitra est bien gardé. Reste en temps de l'entrée.
pas tient les uns les autres sous son emprise. Il a ordonné à la flèche de recruter des archers sur un marché de l'Ouest. Cela mérite une visite. Des outils de médecins, de belles factures, comme ceux trouvés à la villa. Et il y a aussi une lettre parlant du paiement de forgeron. Des messages entre le compas et la censure. Soigné et tripé. La censure est quelqu'un d'étrange, mais c'est le compas qui ordonne les meurtres. J'ai assez d'éléments pour l'instant. Je dois montrer tout cela à Esto. Il y aura d'autres bains de sang à Denden. Sunny n'aura de quoi festoyer. Thank you.
Vous d'attirer l'attention ici. Tout ce que je dis, c'est que ça vaut la peine de frapper à quelques portes. Trigg n'a pas été tué parce que tu veux planter quelques arbres et réparer les toits de Lunden. Ce n'est plus un festin pour les corbeaux ici. Eivor, tu as trouvé quelque chose d'utile ? Quelques feuilles de vélin. Des messages entre membres d'une société secrète. Elle s'appelle l'Ordre des Anciens. L'Ordre des Anciens. Cela ne m'évoque rien du tout. Quel est son but exactement ? Ce serait un peu long à expliquer. Mais sachez que je suis là pour l'aider. À Lunden, il semblerait que le compas soit à sa tête. La flèche et la sangsue en seraient les bras. Des surnoms et des ordres secrets. Foutaise. Y a-t-il autre chose comme piste ? La sangsue a besoin de chair. Elle cherche des esclaves. Mais je ne sais pas pourquoi. On a trouvé des cadavres et des caisses ces derniers temps. Mais pas que des esclaves. Certains disparus, retrouvés à plusieurs endroits. Mis en pièces. Mon Dieu, Erke. La flèche est un Danois qui a vu sa part par le bas. Son surnom laisse entendre qu'il est archer. Je suis prêt à parier que c'est lui qui sème la discorde parmi les Danois qui vivent à Lunden. À sa place, je me cacherai parmi les miens, entouré d'autres guerriers. Le compas a donné l'ordre à la flèche de recruter des soldats sur un marché, à l'ouest. Je connais bien cet endroit. Le compas est un mystère. Il est souvent mentionné, mais sans plus de précision. Tu as dit que c'était un capitaine franc. Pour le trouver, il faudrait s'intéresser au navire et naviguer sur la MS. Par nature, un capitaine saine sa voyage. Il est peut-être loin et se fait discret. C'est possible. Mais lui trancher les mains pour faire de la pire. Toi, tu sais comment faire réagir. Nous allons tuer la flèche et nous attendrons.
Laissons ensuite venir le compas jusqu'à nous. Mieux vaudrait agir rapidement. Trouvons la flèche et la sangsue. Leur mort devrait ramener le capitaine au port. Stowe, je te rejoins au marché de l'Ouest. Compte sur moi. Et moi, je vais aller sur les quais. Il y a quelques cadavres à sortir de la base. Peut-être la sangsue, c'était le retour au travail. Que Dieu nous garde, mes amis. Allez en son nom et sous sa protection. Est-ce là l'œuvre de la sangsue ? Oui, de nouveaux corps chaque jour. Combien de cadavres cela fait-il ? On en a trouvé une vingtaine, clairement victimes de la sangsue. Comment peux-tu en être certain ? Ils avaient les yeux arrachés, les orbites vides, comme les gardes de Trigre. Il y a pourtant des centaines d'hommes qui passent ici chaque jour. Personne n'a rien vu. Nous sommes sur la berge, le lieu des pires activités de la ville. Tu as des nouvelles de Stowe ? Moi, c'est juste moi. Pour la flèche ? Pour l'instant, je m'occupe de la sangsue. Quelque chose t'inquiète ? Je me demande juste comment va ce cœur de moineau. Vous êtes très proches, comme des frères. Oui, oui, comme des frères, tu n'as pas tort. Erke ! Dis-moi que ce n'est pas elle ! Ce n'est pas ta fille, ma bonne Guida. Calme-toi. Oh, merci, Freya. J'avais tellement peur de la retrouver ici. Elle fait des courses, parfois la nuit, pour un forgeron qui l'envoie sur les quais. Cela me terrifie. Elle travaille pour un forgeron. Pourrais-tu me dire lequel ? Elle ne m'a jamais dit son nom, ni où il travaille. Elle ne me confie jamais rien, cette tête de mule. Cela fait 2 jours que je ne l'ai pas vue, et je crains le pire. À Lunden, le pire est toujours à craindre. Qu'est-ce qu'elle faisait comme travail ? Des courses. Ce genre de choses. Elle livrait des objets, en touchait le prix, et retournait chez son forgeron. Tu connais le nom de cet homme ? Non, mais j'aimerais bien. Je lui arracherai les oreilles et les noix. Te souviens-tu d'autre chose ? Une voisine m'a dit un jour qu'elle avait vu Regna traîner un moment sous le pont de Lunden. Cela m'a retourné les sangs. C'est un bon début. Merci beaucoup, Guida. Un forgeron, une enfant disparue. C'est une piste assez solide.
Dans quel univers parallèle, c'est une piste solide, ça? Des fois, je comprends pas les persos de jeux vidéo. Même je comprends pas les développeurs, en fait. Voir les doubleurs qui ont dû dire ça passe. Cela mérite un coup d'œil. Bien. Moi, je vais rester ici, pour assurer le calme. Et Eivor, sur ces quais, reste bien sur tes gardes. Je ne baisse la garde pour personne. Ok. Un pont. Merde, il se montre que la nuit, fait chier. Ah, fait chier. Mais non, crétin. Derrière la caisse, quelle caisse? Ah non, putain. Non, c'est pas ça. Quelle caisse. Putain, mais les devs, faites un effort, quoi. Est-ce que se fondre, ça marche? Non. Quelle putain de caisse. Avec ma lame à tes côtés, tous reviens quand tu auras besoin de ma force. Hversu þeir löguðu í vestreginu undir sig, það menn ég aldrei við. Spárnar voru góða, þeir voru mikil kappar og öll höfðu vopnafla góða. Fylgjörð. Ah. Ah, merde, j'avais pas vu ça. Celle-là. Mais ça me dit toujours pas vers quelle caisse de me cacher. On va finir par s'arrêter là. C'est quoi ta putain de caisse? Je trouve le dev qui a fait cette quête.
finnes að þið marka markaði. Þetta er minni ráði. Þú maður er hlað þess vegi að þú hann er það. Þú dígu vegi henni. Vous pouvez quand même juste cacher vous dans les fougères, je sais pas. Moi c'est facile ça. Je compte sur toi pour retrouver ma Regna. Elle est ma raison de vivre. Ah merde, c'est ta mère. La seule caisse que je vois, c'est ça. Ah, la caisse. La seule caisse seule que je vois, c'est celle-là. Attendez. Oui, j'ai trouvé le lieu, mais moi, c'est la caisse. Que je cherche. Oh à moins que ta caisse soit en l'air. Inspecte les alentours, Zinine. C'est ce que je trouve en fait. Ah, c'est mort. C'est là-bas. Putain, pour deviner. Là, il y a le pont. Non, faut que je trouve la caisse. J'aurais attendu longtemps. C'est une caisse ça pour vous? Bande d'handicapés. Je peux le dire, je suis handicapé. Je vais le suivre et voir où cela me mène. Et c'est un peu ta mission en même temps. Ce crétin ne peut pas aller plus vite.
Non, prudence. Swiftness, die Herd des Tochters. Est-ce que c'est là ou... Non, il prend son temps. Je ne dois pas être vu par ici. Par là, moi. Bon. Personne d'autre sur les toits par là. Si là. Il y a quand même du monde, hein. C'est plus sécurisé qu'un camp romain. C'est impressionnant de voir les moyens qui sont là. Comme Green Arrow, sauf que moi je tue pour tirer. Ouais, okay. Faut bien se distinguer comme on veut. Mais attends, c'est du viking. Donc quoi, l'ordre reste sous ses ordres aussi, pour Marc. L'aurait qui tu es, enfin d'où tu viens, etc. Pas grand chose quand l'ordre veut recruter aussi. On pourrait venir du père Lachaise ou...
Ah, ça fait tellement du bien d'être dans un Assassin's Creed. Parce que Codicier, j'avais perdu la main à force, hein, fait ce truc. Très joli lancé, tu vois. Toujours commencer, c'est une erreur que j'ai faite. Hein. Normalement, on commence toujours par le haut et après, ça va être à Koba. C'est pour éviter d'avoir à lever la tête. Inutilement. Trois fois obtenu Viking de l'ombre. Pire, ouais. Ça, personne autour à la vie. Très efficace ce camp fortifié. Ah putain, ces soldats d'élite. La petite bien-être. Des fois, t'as envie de laisser un peu tourner en rond, après tu te rappelles que t'as pas que ça à foutre non plus. Et en vrai, t'as quand même pas envie. Bon, désolé, je vais en dire un truc. On va en finir un peu, parce que bon, voilà. Au bout d'un moment, on faut bien finir. Allez, viens là, tu. C'est cadeau.
m'a vu tout à l'heure. Putain, j'en avais oublié un. Alors toi, t'es bien planqué, hein, parce que je t'ai pas du tout... Je l'avais pas du tout cramé, lui. Pour le coup. Il devait être un mec blindé que j'ai dû laisser de côté. Parce que je voulais sûrement l'assassiner. Bon, ça c'est fait. On va sortir qu'il y a rien dans cette église là. Parce que j'y croirais pas. Vraiment rien, une blague. Non, mais la bouffe, on s'en fout, ça. Putain, c'était pas une blague. Il y a encore un mec. J'ai zappé combien de mecs? Les mecs qui vont rentrer chez eux ce soir, c'est bizarre, tout le monde était vivant quand on est parti et quand on revient, il n'y a plus personne. Tu as la bourse que j'attends. Hein? Mais tu es qui, toi? Je suis un ami, Oya. C'est ton garçon qui a ton argent. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Je l'ai mis en lieu sûr. Il avait l'impression d'être suivi. Ah, je savais qu'il ne valait rien. Pas comme cette fille. Elle avait les nerfs solides, elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tombée malade. Il y a quelques jours. Alors je l'ai envoyé à Sœur Frideswyd, une guérisseuse. Sœur Frideswyd. Que ce soit un os brisé, un nez qui coule, une verrue aux fesses, ou trop de sang de lunaison, elle peut tout arranger. Elle doit avoir besoin de nombreux instruments pour ça. Ah, ça oui. Et elle les a, les instruments. Elle vient me voir avec sa liste et je lui fabrique tout ce dont elle a besoin. Tu lui fabriquais, tu veux dire? Ce ne sera pas long. J'ai rien fait. J'ai rien fait à la base, lui qui a pété un pont tout seul. Mais d'accord, hein. J'ai rien fait du tout, hein. On est d'accord, hein. Complètement taré ici, c'est pas possible. Ah tiens, Vénus ou Aphrodite, le choix. Là, tirez, allez, allez.
Attends, tu fous de ma gueule le pied à force. C'est où? Ah, c'est bon. C'est là que la sangsue mutile ses proies. Maintenant, il ne reste plus qu'à trouver. Ça ne devrait pas être très compliqué. Il ne va pas y avoir beaucoup de femmes médecins. Ou aveugle et sourd au choix. Sinon, pour un centre médical. On attaquera à vue par ici. C'est vrai qu'il faut être le premier à attaquer. Ça a été cool. Dieu soit avec toi, sœur Félicie. Et avec toi, mon enfant. Encore un autre, et c'est tout. J'ai presque terminé. Cela suffit. Oh, c'est toi. Pour tous les morts que nous collectons, ma chère sœur, nous sommes égaux. C'est un vrai... Je qu'un homme à l'époque dit qu'il est égal. Je ne les compte même plus. Inversement. J'imagine que je me suis laissé emporter par mes recherches, mais sans penser à mal. Les anciens, les arbitres... Ils nous ont conçus à partir de morceaux. Si faciles à briser et difficiles à réparer. On doit pouvoir améliorer tout ça. Nous devrions être plus forts, plus rapides, plus futés. Ah, okay, j'aurais d'accord. pu arranger cela, nous rendre meilleurs. Nous sommes faits de sang, d'os et d'esprit, Frida Sweet. Et parfaits comme cela. Tu as de si beaux yeux. Termine. Veux-tu ? Dans son enfance, on a vu sa sœur tomber de cheval et se briser l'échine. Elle put voir que, bien que l'âme et l'esprit de sa sœur soient demeurés intacts, son corps était brisé. Ceci lui a isolé l'intérêt pour l'anatomie qu'il a subi comme l'ombre d'un incendie qui coûtait la vie à toute sa famille. Ok. Particulier quand même, hein. Comme origin story.
Ok, bon. Le champ du sang fait rage. Non, c'est bon. Mais j'en ai fait plein hein, des choses dignes. Est-ce que j'ai la flemme d'en faire plus? Ça fait un peu. À qui on a arraché les yeux? Je pense qu'il s'agit de la Regna disparue. Hey, non ! Viens, outre avant ! Ah non. J'allais dire un truc. Ça me rappelle, ça fait un peu le premier Assassin's Creed en fait. Lors d'être à Jérusalem ou tout comme ça. J'aimais pas la vision de certains assassins qui disaient oui, tu pourrais aller tuer ces personnes-là et après te donner la mort. Moi j'aime pas ce truc-là, c'est très. J'aime bien quand même cette idée de l'assassin qui a tué et qui après disparaît dans l'ombre. Parce qu'il y avait un Assassin's Creed où il parlait de ça. Tu pourrais faire honneur à nos ancêtres, aller le tuer et te donner la mort juste après, ou un truc comme ça. Je sais plus c'était dans quoi. Dans quel Assassin's Creed il y avait ça. Mais il y avait ça. Je sais plus c'était lequel où il y avait ça comme truc. C'est fait. Ah, tu as saigné la censure. Et tu as découvert son nom? Une nonne, appelée Frideswid. Quoi? Cette gentille sœur? Ce n'est pas possible, c'est une sainte. Une guérisseuse et... Par les dieux. Cette semaine a vraiment un goût de purin. Mais justement, eux, ils se basent sur ceux que vous sous-estimerez... que vous ne... suspecteriez pas, plutôt. C'est plus français. Tu la connaissais? Elle m'a sauvé. Je m'étais cassé une jambe, et j'ai bien cru la perdre. Mais grâce à Frideswid, aujourd'hui ma blessure a totalement disparu. Il y aura de grands changements. Sans elle, nous en reviendrons au traitement des humeurs. Tout ça pour ça. Les secrets du corps humain. Sa manière de sauver des vies. Et comment y mettre fin? Tout cela n'est peut-être que les délires d'une folle. Le monde est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est vrai. C'est bien vrai. Toute ma vie, j'ai privilégié la force. Sans un regret. Elle a choisi une autre voie. Elle a fait de nombreuses découvertes, mais... À quel prix? Beaucoup de scientifiques ont fait ça, hein, de grandes découvertes au prix des actes d'Asimo. Qu'est-ce que tu en penses? Ça pourrait servir quand même, mine de rien. Il contient des remèdes pour tout. Des abcès aux fractures. Mieux vaut le conserver. Après tout, nous faisons la guerre pour ceux que nous aimons et obtenons la victoire par le sang. Ce livre est le champ de bataille de cette sœur, son royaume. Tu as peut-être raison. On ne peut pas ramener les morts à la vie, mais leurs souffrances ont de la valeur. Si tu as besoin de moi, je serai à Saint-Paul à chercher des informations sur le compas. Et merci pour tout, Broga. Je sais pas ce que ça veut dire Broga, par contre. Et pour la mer. Ok.
qui lui dit. Ce sera pas moi au moins. Bon, c'est pas mal, je trouve, quand même. Là, on a fait... pas mal, c'est plutôt pas mal, c'est bien. Passer, alors, recueil de prix. Ça peut servir. J'ai bientôt atteint la barre des 200, mine de rien. Passez une bonne soirée, faites attention à vous. Bye tout le monde!